C'est aux ides de mars moins 44, c'est-à-dire le 15 mars moins 44, que César fut assassiné. Contrairement à une légende bien répandue, Brutus, le fils adoptif de César, ne joua qu'un rôle tout à fait mineur dans la conjuration. En fait, le complot avait été ourdi par quelques notables qui œuvraient en fait dans la coulisse, derrière les tentures, un peu dans l'ombre. Ils ne voulaient pas se mettre en avant. Ils préféraient, disons, laisser le risque de l'action à d'autres hommes plus audacieux. Le principal organisateur fut Cassius. L'opération se déroula de la façon suivante. C'est lorsque César se présenta devant le Sénat et qu'il fut attaqué. En fait, d'abord, c'est Tullius Cimber qui l'attira dans le piège en lui présentant une requête visant à demander l'amnistie de son frère qui avait été banni et envoyé en exil. César le repoussa. À ce moment-là, Tullius Cimber saisit César par sa toge, ce fut le signal de l'attaque. Le premier qui frappa César fut Casca. César le repoussa en disant « Scélérat de Casca, que fais-tu ?» Ce à quoi Casca répondit en grec, il était grec, en appelant son frère « Frère, au secours !» Et à ce moment-là, tous les conjurés, tous les conspirateurs se ruèrent sur César et le frappèrent de leurs épées. C'est lorsque César aperçut Brutus parmi les conjurés qu'il eut cette phrase mémorable « Tu quoque mi fili », c'est-à-dire « Toi aussi mon fils ». Brutus était un de ses deux fils adoptifs. Cette phrase donc légendaire, César à ce moment-là, donc frappé de désespoir, se laissa, disons, frapper sans réagir, dit-on. Pourquoi les conspirateurs voulaient-ils la mort de César? Eh bien, parce qu'ils craignaient que César ne veuille transformer la République en monarchie. Il pensait que César avait une propension à se montrer de plus en plus tyrannique et cela leur déplaisait. C'est la raison donc pour laquelle ils avaient décidé sa mort. Mais mal leur en prit, car à la lecture du testament de César, on s'aperçut que ce dernier avait décidé de léguer à chaque Romain une partie, une faible part en fait, mais une partie quand même, de son immense fortune. Les Romains étaient évidemment nombreux à l'époque, même à l'époque. De ce fait, les Romains furent très émus par ce geste généreux et inattendu de la part de César, et ils se révoltèrent contre les conspirateurs, contre les comploteurs. À leur tête se dressa Marc-Antoine. Marc-Antoine était un ancien lieutenant de César et un ami de César. Par la suite d'ailleurs, il formera le deuxième triumvirat avec Lépide et Octave, Octave qui apparaîtra un peu plus tard sur la scène. Donc Marc-Antoine prit la tête d'une chasse aux proclamés républicains, donc ceux qui avaient organisé le coup d'État contre César. Hein. Et à ce moment-là, ils décidèrent de s'emparer du pouvoir et de ne pas avoir recours à la même clémence qui avait perdu César. Ils décidèrent de proscrire et de faire assassiner un certain nombre de gens qu'ils estimaient être des meneurs ou des dirigeants de l'opération contre César. On dit que 150 sénateurs et plus de 2000 chevaliers furent ainsi condamnés à mort, assassinés.
par des hommes à la solde de Marc-Antoine. Parmi les hommes assassinés figura l'orateur Cicéron. Pourquoi Cicéron? Parce que Marc-Antoine lui reprochait, lui vouait une rancune ténace, car Cicéron avait écrit donc des critiques extrêmement virulentes contre Marc-Antoine, des critiques connues sous le nom de philippiques. Marc-Antoine délégua donc le centurion Hérénius. Hérénius était donc eu pour mission de mettre à mort Cicéron. Selon l'historien Plutarque, lorsque le centurion Hérénius se présenta au domicile de Cicéron, il demanda tout d'abord à Cicéron l'autorisation de cueillir, de ramasser des fruits dans son jardin. Cicéron, qui avait parfaitement compris l'objet de la venue d'Hérénius, bien entendu, ne put que l'autoriser. Hérénius commença donc à remplir son panier de fruits, puis ensuite il exécuta sa sinistre mission. Cicéron mourut ainsi à l'âge de 64 ans. Vrai ou faux, on ne saura jamais, l'histoire n'est pas une science exacte, ceci est simplement relaté par Plutarque. Le même Plutarque raconte d'ailleurs que Marc-Antoine avait ordonné à Hérénius de décapiter Cicéron, de lui couper les mains et de clouer les mains de Cicéron sur les portes du Sénat. Pourquoi? Parce que c'est avec ses mains que Cicéron avait écrit donc les fameuses philippiques qu'ensuite il lut devant le Sénat, dans lesquelles il accusait de façon extrêmement virulente Marc-Antoine. Pour les conjurés, tout se termina mal. Ils durent fuir. Les rescapés, du moins ceux qui avaient échappé aux proscriptions, durent fuir. Parmi eux, Brutus et Cassius. Brutus était donc un fils adoptif de César qu'il avait déjà trahi une première fois, mais César lui avait pardonné. Brutus s'enfuit donc en Grèce avec Cassius. Entre-temps, était apparu sur la scène Octave. Qui était Octave? Octave était le fils d'une nièce de César. Et lui aussi avait été adopté par César, qui en avait fait aussi son fils adoptif, et en plus qu'il avait désigné comme son héritier. Octave revenait donc de Grèce, où il avait enseigné les rudiments de la stratégie militaire au sein de la 5e Légion. Et il donc revenait à Rome pour réclamer son héritage, ayant appris la mort de César. Au départ, Octave entra en conflit avec Marc-Antoine, mais par la suite, Octave, qui se révéla un excellent homme politique, un excellent politicien avisé, et finalement conclut un accord avec ce dernier. En fait, Octave était un homme de 19 ans, un garçon presque de 19 ans, petit, chétif et plus ou moins boiteux, et qui bégayait vaguement. Donc au début, Marc-Antoine l'ignora, le méprisa, le négligea. Mais rapidement, grâce à son sens politique, Octave s'imposa sur la scène. Finalement, les deux hommes s'allièrent et décidèrent de pourchasser Brutus et Cassius. Ils franchirent donc à leur tour l'Adriatique. La bataille fut terrible. Elle opposa 40 légions. Elle mit en place 40 légions, 20 légions de chaque côté. Une légion faisait environ 5000 hommes, cela faisait en tout donc 100 000 hommes de chaque côté. Une fois de plus, les Romains allaient s'entretuer. La terrible bataille de Philippes, se déroula en deux phases, en deux étapes. Première phase fut indécise. Mais à l'issue de cette phase plus ou moins indécise,
Cassius et croyant que son camp avait définitivement perdu, se suicida. La deuxième phase constitua une défaite totale de Brutus. Brutus, donc lui aussi, fut acculé au suicide. On dit que ses derniers mots furent « Vertu, tu n'es qu'un mot ». Octave et Marc-Antoine sortaient triomphants, complètement vainqueurs de la terrible bataille de Philippe, qui avait vu s'opposer de part et d'autre 200 000 Romains, 40 légions. Par la suite, Marc-Antoine, qui s'était vu attribuer le gouvernorat de l'Égypte, se rendit donc en Égypte et là, il s'éprit de la belle Cléopâtre, comme l'avait fait César quelques années plus tôt. Ceci ne fut pas du goût d'Octave. Octave ne put supporter, ne put admettre que la riche Égypte, qui était le grenier en quelque sorte de Rome, que cette riche province échappa à l'emprise de Rome. La guerre fut inévitable. La guerre, en fait, se déroula sur mer. Ce fut la terrible bataille d'Actium. La bataille d'Actium en moins 31 vit la défaite totale des forces armées, des forces navales, pourrait-on dire, de Marc-Antoine et de Cléopâtre. Agrippa, le général amiral qui était donc qui combattait pour le camp d'Octave, sortit vainqueur total. Suite à cela, Antoine et Cléopâtre, qui avaient cependant survécu à la bataille, regagnèrent l'Égypte. Ils furent poursuivis par Octave. À ce moment-là, Cléopâtre essaya de séduire Octave, comme elle l'avait fait précédemment avec César et Marc-Antoine. Mais cela ne marcha pas. L'incorruptible Octave ne succomba pas. Marc-Antoine fut contraint au suicide et Cléopâtre, voyant que ses charmes étaient inefficaces, inefficients devant les yeux d'Octave, fut également contrainte au suicide. Elle se fit piquer par, dit-on, par un serpent venimeux, un aspic dissimulé dans un panier de figues. Suite à cela, Octave rentra à Rome et quelques années plus tard, il fonda l'Empire romain dont il prit la tête sous le nom de Auguste. Auguste, premier empereur de Rome, Auguste instaura ce que l'on appelle la Pax Romana et pendant une certaine période, pour une fois, les Romains cessèrent de s'entretuer. Mais cela, malheureusement, ne dura pas. C'est Tibère qui succéda à Auguste, puis Caligula, Claude, Néron, Galba, Othon, Vitellius, Vespasien, Titus, Domitien. Ce fut alors la fin de la dynastie julio-claudienne et vint ensuite le siècle des Antonins.